Avant de stériliser un bocal, il faut s'assurer qu'il n'est pas ébréché. Si c'était le cas, il risquerait d'exploser lors de la stérilisation. Les bocaux se conservent à vie, mais les rondelles en caoutchouc, elles, sont à usage unique. Et oui, lors de l'ouverture en tirant dessus, il arrive bien souvent qu'elles soient endommagées et donc non réutilisables, car la stérilisation n'est plus assurée. Commencez par porter une grande casserole d'eau à ébullition, puis plongez les bocaux en immersion totale. Couvrir la marmite et poursuivre la stérilisation pendant au moins 10 minutes. Une fois le temps écoulé, sortir les bocaux de la casserole à l'aide d'une écumoire. Laissez sécher sur une grille. On peut mettre en conserve toutes sortes de fruits et de légumes. Il est néanmoins primordial qu'ils soient parfaitement lavés pour ne pas corrompre la stérilisation. Déposez les fruits au fond du bocal. Puis versez de l'eau jusqu'au niveau de remplissage indiqué. La température de l'eau doit être adaptée à celle du bocal pour éviter tout risque de choc thermique. Complétez avec les ingrédients nécessaires à votre recette, comme de l'alcool ou du sucre par exemple. Insérez ensuite le caoutchouc sur le couvercle. S'assurer qu'il est parfaitement en place, bien centré, avant de fermer le bocal. La cuisson en bocal est une cuisson sous vide, saine et faible en matière grasse. Elle convient donc à de nombreuses recettes. Il est même possible de mettre différentes sortes d'ingrédients dans un même bocal. Insérez une grille dans le fond d'une marmite, puis déposez les bocaux de fruits et de légumes. Versez de l'eau jusqu'à ce que les bocaux soient entièrement recouverts. Faire chauffer. Quand l'eau bout, baissez le feu à frémissement et comptez le temps de cuisson indiqué sur la recette ou selon la nature du produit. Stoppez le feu sous la marmite et sortir les bocaux à l'aide d'une écumoire. Puis les déposer tête en bas. Il ne faut pas les passer sous l'eau froide pour les refroidir, mais les laisser à température ambiante. Cela évite les chocs thermiques et réduit les risques de fêlure du bocal. En fonction du produit, le temps de cuisson sera plus ou moins long et les bocaux devront cuire séparément. Mais le mode opératoire reste le même. Pour savoir si la stérilisation a réussi, vérifiez qu'il n'y ait pas de bulles dans le bocal et que le couvercle reste fermé même après avoir actionné le système de fermeture. Il suffira ensuite de tirer sur le caoutchouc en maintenant fermement le couvercle pour ouvrir le bocal. Une fois ouvert, le bocal n'est plus stérilisé et doit donc se consommer rapidement. Les bocaux peuvent se conserver plusieurs mois ou plusieurs années. Il faut toujours se référer aux indications de la recette. Au moindre doute, jetez immédiatement la conserve sans même la goûter.